Yo tout le monde, c'est Soufou49, bienvenue pour ce nouvel épisode de Call of Duty Black Ops 3. Le Let's Play, c'est l'épisode 11. Allez, on était en plein armé. Peut-être retrouver un peu de balles parce que... Il ne reste plus que le petit gueule. Aidez-moi, pitié. Putain. Écoutez, je vais essayer de les déplacer. Sors de là ! Le pilote s'en est pas sorti. Ah, c'est bien d'avoir. Oh non. C'est moi qui vise. Ah bah oui, si je prends les roquettes en plein cœur. J'ai pas pris. Voilà, mais faut se calmer là. Je sais que j'ai pas beaucoup mouru dans le dernier épisode, mais c'est pas une bonne raison. Hein. Thank you.
Non, 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 faut pas mourir. Oh, ça va être l'épisode où on va mourir le plus.
popo. Oh punaise. C'est le dernier. Attends. On n'a pas le temps d'attendre, faut y aller. Non. Il y a un truc qui va. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le système d'aide? Au lieu de ça, on a perdu Ramsès et bientôt le reste du Caire. Kalil, il est pas trop tard. Ceux qui ont fait ça sont des traîtres. Ils continueront à aider l'ennemi. On doit riposter. Tu sais même pas où ils sont. Kalil, vous captez le mouchard que j'ai mis sur Salim? Le signal est stable. La cible est en mouvement à 1 km au sud de Kebetchet. Bien sûr. On se retrouve à la base. J'espère que j'ai raison de garder espoir. Je peux savoir pourquoi on m'a rien dit à propos de ce mouchard? Toi et Kay, vous cachez des trucs? Du calme! J'ai mis pause exprès pour la somatique. Pas toi-même depuis qu'on a quitté Singapour. Et oh? L'idée vient pas de Kane, mais de moi. On a une chance. Si on trouve Salim, on trouve Taylor. J'aurais pas dû faire ça. C'est juste que je commence à me poser des questions sur cette mission. Ouais, je comprends. Mais on a un job à faire. Je sais. Mais je le sens pas. Tu sais quoi? Moi aussi, je sens pas. Mais tu nous caches des choses, mais que j'aime pas du tout. Level 10, c'est sympa. Il faut que je vous dise un truc. Où est Hendrix? Il dort. Je lui fais passer un diagnostic IDM.
peux vous faire confiance. Et si je vous disais la vérité? Quand Taylor et son équipe ont découvert le projet classifié, ils ont menacé de tout révéler. La CIA ne pouvait pas prendre de risques. On les a rappelés pour les réduire au silence. Taylor nous parle toujours, alors qu'on est sortis des radars. Comment c'est possible? Je crois que son IDN a été corrompu. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas traquer la position de son équipe. Mais on peut traquer le docteur. Et ben, ce qu'on va faire. Hendrix, son diagnostic montre des irrégularités. C'est peut-être juste un problème de calibrage, mais je ne peux pas l'ignorer. En particulier après ces récentes crises. Vous savez de quoi je parle. C'est pour ça que vous ne lui avez pas dit pour le mouchard de Salim. On s'apprête à lancer une attaque avec l'armée égyptienne. Mais comment s'assurer qu'il tiendra le coup? Je peux ajuster son traitement. Ça devrait le stabiliser. Mais je ne peux pas le laisser compromettre nos chances de capturer Taylor. Ça n'arrivera pas, Kelly. J'y veillerai. Qui va me dire qu'il va pas retourner sa veste? Mais comment je m'en doutais? Ça tombait bien, j'avais plus de balles. Comment on va faire pour le détruire, hein?
Négatif. Alors, il faut partir par Paul pour trouver Taylor. On ne peut pas le faire à nouveau. Mais j'avais évité. Alors on en est là maintenant. On tue les nôtres s'ils révèlent une conspiration dans notre propre camp. Ce qui se passera sera pire. C'est... Je suis désolée. Eh ben fin de l'épisode. Ben oui, fin d'épisode. On voit ça. Hop, pause. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous la connaissez. Me suivre sur Twitter et Facebook, Soku49. C'était Soku49. À une prochaine fois.